50 000 spectateurs mercredi dernier au stade de la Luz. Enfin, la Luz si l'on veut. Un dégagement de la tête de Bossis et nous voilà dans le camp portugais avec Pecu qui donne à son capitaine Michel. Ce dernier lance Baron Kelly. Mais la défense de Benfica est actuellement la meilleure de son championnat avec celle d'Akemeliko. Chou déborde sur l'aile gauche. Il est aux prises avec Biba. Et de nouveau Bossis qui renvoie le ballon. Derrière Humberto qui semble en difficulté, Bento sort de ses buts. Et nous allons retrouver l'ailier gauche Chou. De nouveau un renvoi de la défense. Alves, l'homme au gant noir, change d'aile et donne à son capitaine Tony. 1-2. Sur ce centre, une reprise d'Alves. Bertrand Desman à l'œil. Pecu. Bento, Baron Kelly, une petite explication entre les deux joueurs, cela ne va pas bien loin. Et l'on retrouve Nantes qui domine en cette fin de partie. Bento s'y prend à deux fois pour dégager le ballon. Mais toujours bien, la dernière attaque revient à Benfica. Toujours Alves. Bertrand Desman anticipe bien. Score final 0-0. Benfica est bien sûr qualifié, mais pour le FC Nantes et le football français, l'honneur est sauf. Voilà quelques images.